Salut tout le monde. Donc vidéo spéciale puisque je vais faire une vidéo déballage de que voilà, je viens de recevoir un petit colis là. Et donc c'est ce que vous allez découvrir dans ce colis, c'est le Serpent Cobra 811 BE. Donc voilà, donc version brushless. Et oui, version en kit. Et voilà, pas RTR. Donc on va commencer tout de suite. Commandé chez Wartel Shop. Les petits autocollants, ça c'est cool. La facture, ça c'est à moi. Ah, ça doit être les accus. Donc j'ai pris ceci au moteur. Voilà, un léopard. Voilà, la référence, c'est du 2220 kV. Voilà. Ensuite, ça c'est le variateur. Voilà la bestiole. Magnifique. Trop magnifique. Du papier, enfin de la paperasse, hein. La notice, voilà, alors en espérant qu'il y ait une version française, des autocollants derrière. À mon avis, il n'y a pas de version française, enfin de traduction française dans la notice, ce serait trop demandé. Voilà quelques pièces. Ah, ouais, ça c'est pas mal, c'est les sachets sont identifiés. Ah, ah j'ai eu peur. Encore un sachet identifié. Ah, parce que sur la boîte en fait. Il y a marqué modèle d'une assemblée et carrosserie non inclus. Carrosserie non incluse, mais elle est dedans. Donc je sais pas, il y a sûrement une erreur de conditionnement. Donc la carrosserie est bien inclus. On a même des huiles. Ah, c'est intéressant.
Bon, voilà, tous les sachets sont vraiment bien identifiés. Ça, c'est vraiment. Alors, ça, je sais pas ce que c'est. L'aileron. Bon, j'ai de quoi m'amuser. Ah ouais, ça c'est vraiment magnifique. Magnifique. Bon, et ben voilà, je vais vous laisser là-dessus. Ben voilà, hein, j'ai du boulot. J'ai le montage à faire maintenant. J'ai vraiment de quoi m'amuser. Ça va être un plaisir de monter cette machine. Et en fait, je sais pas si je vais faire un compte rendu. Enfin, je sais pas si je fais ça en vidéo ou en photo. Donc on verra bien. Vous aurez la surprise si je présente le montage. Je sais pas encore. Donc voilà. Allez, salut les gars.